Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, vous êtes sur le Biscuits, le Link Biscuits, le vaisseau du capitaine John McGlas. John McClas, McGlas, enfin on s'en fout, McAllan. Bonsoir ouais. Capitaine, alors qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui capitaine? Dites-nous tout. Oh capitaine, alors... vous êtes transparent capitaine, vous avez mangé assez de biscuits, c'est bien. Alors, juste petite précision par rapport à la dernière vidéo, on a fait deux jumps où en fait on se faisait racketter. Du coup, on a juste fait ça. Ouais, on s'est juste pas fait racketter en fait. Du coup, c'est ça, on a esquivé le racketage et on est arrivé sur une planète parce qu'on savait que c'était un secteur clean et qu'on pouvait déconnecter là-bas. Du coup, là-bas. Faut se remettre une armure et tout là ? Non, normalement on peut descendre direct. Ouais, voilà, c'est ça, on croit rien. Et c'est une station civilisée ou faut sortir le pupu laser et tout ? Ouais, apparemment c'est civilisé, je vois pas d'ennemis. Ça nous tire pas dessus quand on arrive, donc c'est que ça doit être bon. Oh putain de bordel de merde. Il y a un trou chef, c'est ça? Ouais, faut qu'on aille... Ah, faut aller dans la baise tout en bas là? C'est la baise ça. Y'a des gens ici? Y'a des ennemis ici? Y'a des bandits? J'ai buté un bot, capitaine. Dans les méchants. Je suis un génie, capitaine, j'ai buté un bot. Ah, attention, y'en a un autre. Ah! Je me fais tirer dessus, capitaine! Ah ça c'est vraiment un J'ai failli mourir à cause de vous capitaine. Combien de 13 PV? Je sais pas mais Oh y'a du fuel, j'ai pick up du fuel. Là, regarde, là ici sur ces trucs là, il y a des Ah on a gagné un réacteur, deux réacteurs, faudra voir s'ils sont meilleurs. Oh on a tout chouré Captain. Il en reste un au fond, là-bas, qui se bat contre le pivot. Ah mais je tire sur le pilote. Putain j'arrive pas à l'abattre ce con. Je suis en train de flinguer c'est le pilote quoi. Bizarre quand même. J'ai pris des ammo clips. Je pique plus d'ammo clips. Ouais, ouais, fait. Je pique des ammo clips, capitaine. Ah, j'ai trouvé une Je pick up un meilleur. CCG Military Grade. Ouais, j'en avais déjà un, j'en ai trouvé un aussi. Ces coques sont peut-être meilleures que celles qu'on a. Y'a un autre passage ou pas ici? Non, apparemment c'est tout. Donc faut qu'on trouve un moyen de descendre en bas. Je suppose qu'on doit pouvoir. Attends, il reste une capsule de carburant. Ouais, puis j'ai pas regardé tous les. Ouais, ça je voulais dire. Moi, j'ai pas tout regardé de mon côté. J'ai juste fait le. Les boîtes, ouais. Juste fait vite fait mon étage. J'ai même pas regardé toutes les boîtes. Hein. De toute façon, tu les vois. Les objets qu'on doit récupérer sont sur les petites plateformes grisées ou sur des. Ou ils sont posés ailleurs. Alors, surface. Est-ce que ça veut dire qu'on doit est-ce qu'on peut descendre déjà? C'est une vraie question que je me pose. Capitaine, vous avez pris une balouse quelque part dans le cucu? Non. Non, je demande, puisque vous auriez pas un pistolet qui soigne les gens, genre en tirant des biscuits dans la bouche? Non, c'est quand t'es un robot. Bah attends, je vais voir si je peux descendre. Descends pas, parce que je sais pas si ça tue en fait. Je prends un smuggler pistol. Vous êtes mort, capitaine? Apparemment, ça tue pas. Tu peux descendre. Mais on va remonter comment, capitaine? Parce que là, on a l'air con, capitaine. Bah, doit y avoir un téléporteur en bas. Et surtout vous, capitaine. Je sais pas, je vois un métal bandit là-bas. Genre un bandit fait de métal. Ouais, on peut lui tirer dessus d'ici, hein. Et le tuer d'ici. En tout cas, les pentes à 90 degrés, ouais, c'est gérable pour est... un humain, hein. Ouais, on est Skyrim. Mieux que le chual, hein. Va demander une frappe orbitale du vaisseau. Ça, en vrai, c'est un truc que je trouve un peu dommage, tu vois. C'est que t'as des armes sur ton vaisseau, t'as des immenses tourelles. Mais tu peux pas demander de frappe au sol. Ouais, en même temps, tu voudrais qu'il nous tire quoi? Une tonne de biscuits? Ouais, larguer les biscuits dans l'atmosphère, les mecs. Quoique les biscuits secs, hein, y a moyen de tuer des gens, on sait jamais. Hein. Ils touchent, ils atteignent le. Si ça va tomber. Alors attends, parce que moi j'ai un pistolet extrêmement précis. Oh, ok. Tu l'as one shot. Il y en a encore d'autres, attention. J'en compte 1, 2. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, attention. Est-ce que tu les vois, capitaine? Oh, c'est un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau, capitaine? Je vais enfin pouvoir monter en grade. Trop bien. Alors. Ah mais c'est peut-être pas des robots hein. C'est peut-être juste des mecs qui sortent du sol pour te péter cul hein. Attends, dedans c'est un robot. Ouais. Ouais. Il est mort. Bien joué capitaine. Ah y'a un téléporteur capitaine, exact. Ouais, on l'a débloqué.
Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout. On dépouille tout, il y a des clips là. Je pique des munitions, capitaine. Ouais. Et rien, ça. Bah, c'est. Attends, si c'en est un. Ça, tu vois, c'est une capsule de carburant. Là, derrière toi. Ah, ouais, petite capsule qui brillote, ouais. Ouais. Attends, okay. Parce que faut la trouver au pixel celle-là. Hein, pour l'attraper. Ah bon? Bah non. Ah bah moi je voyais pas le, je pouvais pas l'attraper en fait. Mais capitaine, vous êtes alcoolisé, capitaine? Ah bah je crois, ouais. Oh, y'a un métal bandit qui se bat contre un drone. Les drones, c'est les tourbillons. T'en sors? Ouais, j'ai pété un truc, capitaine. Il ah, reste. Ah, vous avez pété une araignée, capitaine. Ouais, ah, là, viens, on va se. Moi perso, je me téléporte sur le vaisseau pour me soigner. Je devrais faire pareil pour pas perdre de PV. J'aurais déjà perdu en fait, hein. Mais oui. Oui, non, mais ah oui, ah oui, de me prendre un négatif, ok, ship. Ouais. On va recharger, non? On recharge pas ici, super. Il ouais, y a un connard qui a laissé la mette baie allumée, on perd du pognon, capitaine. Je vais aller économiser du pognon, je vais couper l'air et... le best téléporteur, ok, c'est bon. On a trouvé le téléporteur ouais, de la base. Et après, tu peux ignorer le reste des ennemis puisqu'on descend dans le. Dans le Sylvester. Par là. Ok. Alors. Déjà parti loin, capitaine, je crois. Non, j'ai juste sauté dans le tombeau et je regardais. Ok, il se passe des choses dans ce tombeau, capitaine. Ouais. Alors. Ok, alors, il faut que. Cet anneau là, celui sur lequel je tire. Tu le vois? Où est-ce que t'es? Non, non, je fais des choses, capitaine, hein. Des trucs d'ingénieur. Il faut que cet anneau là, celui sur lequel je tire. Ouais. Il tourne de façon à venir se mettre ici, face à ceux-là. D'accord, oui, oui, ok, oui, il faut mettre les bâtonnets avec les bâtonnets, quoi. On est d'accord? C'est ça. Voilà. Ok. Et. Il faut après du coup que celui-là il se tourne de façon à ce que un de ces deux fils, c'est un de ces tiges là et là. C'est okay. Passé quelque chose, capitaine? Rappuie sur le bouton. Ok, rappuie pas sur le bouton. Putain, t'es en train de nous griller des. Vas-y encore. Je grille quoi? Vas-y, bah en fait t'as un certain nombre d'essais, regarde en bas. J'avais pas d'infos. Ouais. Bah, en fait, en bas dans le trou en face de la truc, t'as le nombre d'essais que t'as. Peut-être falloir trouver des indices avant d'appuyer sur tout et n'importe quoi, capitaine. Non, en fait, on n'a pas vraiment d'indices, on sait jamais lequel correspond à quoi. Alors, moi, je suis dans une salle, y a rien dedans. Peut-être vous y avez un indice, ouais, vous, mais moi, capitaine. Ah, hein. Si, 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 y'a un truc, regarde, viens voir. Dans la salle, où est-ce que tu es? Regarde. En fait, l'indice, c'est ça. Genre, tu montes le long de la tige, tu t'arrêtes pour récupérer du jetpack et tu peux monter en fait tout en haut. Hop. Fais des trucs haut, impressionnants, capitaine. Ouais, et en haut, il y a des boutons. Allez, je vais me péter une. Je descends tout en bas. Je vois des choses. I can see dead people. J'avance. On n'a pas une torche, ouais, c'est ça. Ok, alors tout en bas y'a rien, y'a vraiment juste les boutons qu'on a vu là-haut. Hein. Ouais, et ouais, ça a fait quelque chose, mes boutons. Alors, les boutons font tous tourner un plateau. D'accord. Donc en fait, attends, là j'appuie sur un. Regarde, tu vois en bas là? Ouais. T'as les petits points verts, c'est les nombres de chances qu'on a de réussir le truc. Une fois qu'il est à zéro. C'est échec, on a perdu, on peut plus l'ouvrir. D'accord. Il y a sans doute un truc, mais j'ai pas tout compris. Ok. Voilà, là il est dans le bon sens. Mm-hmm. Mais encore. Je crois. Celui-là il fait quoi? T'as fait tourner celui du mid. Le tout petit du milieu. Enfin. Je comprends pas tout.
Vous êtes en train de niquer toutes nos chances, capitaine. T'en as niqué 7 déjà. En appuyant comme un bourrin sur le bouton. Tout à l'heure. Je peux appuyer comme un bourrin, j'ai appuyé sur 3 boutons, tout pour tout, 4. Ouais, bah c'est autant de chances que t'as fait perdre dès le début en fait. Et ça a libéré la fumée toxique qui va nous tuer. Qui va te tuer, capitaine? Moi je vais me tirer dedans. Je sais plus comment. Je sais pas comment on le fait. Bah, il a tué le pilote déjà, donc je te propose qu'on se barre, de toute façon on n'y arrivera pas. Et elle remonte nous attaquer à la fumée là, hein. Ouais. Bah en fait elle se balade, elle essaye de te tuer, mais voilà. Allez, on se casse. Faut plus rien appuyer là, il se passe plus rien si j'appuie. Bah tu vas juste. Bah si, il se passe des choses. En fait. Non, il se passe des choses, hein. Ça a lâché la fumée, on peut encore bouger des choses, hein. Oui, mais une fois que les chances sont à zéro, ça se bloque et tu ne peux plus rien faire. Ah d'accord, bon, bah ça y est, j'ai bloqué. Voilà. Get blocked. Et ben on tire d'ici, de toute façon c'est pas intéressant les énigmes. Vous savez, c'est quoi le problème des énigmes, capitaine? C'est que ça tue personne. Ah! Bah, moi, par contre, ça m'a tué. Formidable! J'adorais que je suis sorti. Ouais, ça tue personne, pouf! Ah, toi, au moins, t'es mort, dégage. C'était beau, hein. C'était beau. Magnifique. T'as cette fois, votre capitaine aussi, vous avez dit, faut pas tuer tout le monde, machin. Non, c'est que les ennemis respawn. D'accord. Tu vas pas nous faire sauter, hein, t'attends que je réapparaisse. T'es un connard. Parce que du coup je récupère pas mes PV. T'es un gros con. Ah si. Non, bah non, je les ai pas récupérés. T'es vraiment un dentiste, hein. C'est quoi le rapport? Sauf le prix. Mot clip. Il faut savoir du coup. Si tu fais tab, que tu vas regarder dans. Merde, dans le cargo, on a trouvé une Missilienne. Non, mais quand tu fais tab, t'as ship et tu peux faire Missilienus. Je pourrais faire ça. Missilienus. Ok, on a des classiques biscuits, on a des carrot cake biscuits. C'est ce que j'ai retenu, moi. Un biscuit bon, non, au-dessus, dans le cargo. Ouais, on a le GTC Silent Cricket, on a le GTC Quiet Cupcake, les Quiet Cupcake en double, le Hull Military Grade 1 et 2. Ah, on en a un qui est plus mieux que l'autre, hein, level 4. Ouais, le level 4, c'est celui qu'on va installer, comme ça notre coq aura 4000 PV, au lieu de 1500 qu'on a de base. Bah on prend, on adore. Par contre, les réacteurs sont moins bons que celui qu'on, que ceux qu'on a. D'accord. Alors, c'est une autre planète. Mmh. C'est un WD ship qui s'est écrasé dans un système souterrain. Ça va mieux ou pas? Non. Je te le dirai s'il y en a besoin. Donc là, tu fouilles le vaisseau dans le but de trouver son matos. Fluffy Biscuit Jumbo Reactor. Qu'est-ce que ça fait? C'est de la merde. Non, c'est la lampe torche du futur qui n'éclaire que dalle, hein. Ouais, c'est ça, t'as l'impression que je vois Phasmophobia en fait. Et de ne rien voir. Je pick up du fuel. Ouais, pick up tout ce que tu peux, hein. Je fuel pick up. Ah ouais, 3 caps de pick up fuel, hein. 3 caps de pick up fuel, putain. Vraiment. Je m'entends parler anglais, hein. Je me dis, il y en a quelques-uns qui doivent mourir. Hein. Ah, si c'en est que quelques-uns, ça va. Ça tue quelques anglais, je pense que je devrais, théoriquement, pour bien servir ma patrie, je devrais continuer à parler que anglais en fait, tout le temps. Voilà. Alors, j'ai trouvé des funky biscuits, Captain. Des frozen biscuits, Captain. Un Ify Bim Pistol plus 2. C'est ok, wow. Captain, ça. Ouais, il faudra que tu me files du coup un des deux pistoles, celui que tu veux pas. Je sais pas, j'en ai acheté un dans mon tiroir. Dans mon tiroir caisse. Voilà, ouais, j'ai fait le tour, Captain. Je sais même pas comment on équipe Inventory. Et on peut repartir. Je crois qu'il faut que j'appuie sur 2, c'est ça. On a récupéré, intéressant. Il faut que j'équipe en 2, ok. Et du coup, je me mets en 2. Voilà. Ok. Attends, faut que tu remettes tes points de talent aussi. Ah, c'est pour ça que j'étais mort, Captain.
Parce que j'ai plus de points de talent. Ou peut-être parce que tu n'as jamais eu de talent. Si, j'en ai eu. Oh là là. La cruauté d'un homme. Ça, c'est fait. Okay. Donc. Alors, remettre du point de talent. Ouais. Crew. Talente. Ingénieur-ringe. Et... Okay. Bon. Faut que je passe un niveau, Captain, c'est urgent. Ouais. On jump, Captain? Ouais, tu peux aller. Ça saute, Capitaine. Là, on fait un saut dans le vide avant d'aller faire la mission. D'accord. Tu vois, même notre pont, je le trouve trop obscur. Ça y est, j'ai pris un niveau, Capitaine. Ça fait plaisir, ça. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu quelque chose, Capitaine? Non, je regarde, c'est un bâtiment qui est éclaté. Deux secondes, je vais prendre le pilotage. Je passe les shields en résistant aux mines, et c'est parti. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y a du scrap à récupérer. J'avais pas un truc qui me permettait de... J'avais pas une compétence qui me permettait de gratter le pourcentage de chance de recycler. Si. Je sais laquelle. C'est la... C'est l'extraction training. Ah, ah non, pas de chance de recycler. Oui, c'est ça, c'est d'extraction, c'est pas de recyclage. Hein. On va se mettre de l'armure, écoute. Hein. Attends, me dis pas que capitaine, je crois qu'on est en train de vomir là, capitaine. Capitaine, je rends mes biscuits là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, l'IA nous fait bouger entre les mines. Capitaine, je crois que le pilote, il est peut-être tombé là-bas, capitaine. Exécuteur d'artéxiste. Y a un smuggler pistol en fait hein, dans ma radio. Est-ce que tu peux prendre la petite tourelle et tirer dans la mine devant s'il te plaît? Il y a une tourelle là. Je peux pas la prendre, il y a le pilote dessus. Il y a le pilote dessus. Elle est là. Ah oui, je la vois. Merci. Parce que visiblement le pilote il voulait pas la voir. Hein. Non, c'est qu'en fait les pilotes n'attaquent pas les mines tant qu'elles ne vont pas faire de dégâts. Comment tu sors de ce truc? Au secours. Tu appuies sur R. Bah ça fait R. Putain c'est compliqué hein. Appuie trois fois sur R pour qu'ils me sortent. Tu as manœuvré, capitaine? Ouais, parce que j'ai pas. T'es un peu nul, capitaine. Parce que j'ai pas refait mes touches pour conduire. Donc c'est un peu compliqué. Y a une mine vachement proche là. Hein. Tire dessus? Moi, je suis pas là, moi, je suis sur ton siège. Hein. Ouais, mais là, l'IA a fait n'importe quoi encore. Oui, bah, putain. Deux secondes. Ah mais c'est pas elle en fait, c'est le canon laser qui enfin des problèmes de hitbox. Voilà. Problèmes de hitbox. Arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Oh, je vous ai sauvé le boulot. Ouais, là, par contre, je peux rien découper mec. Hein. Donne-moi des lignes de vue là. Attends. Il faudrait que tu inclines légèrement le vaisseau. Voilà, parfait. Bouge plus. Oh non, mais tu bouges trop là.
Il reste une mine. Ah mais en fait. Au moins il. Ouais, il y en a encore une au-dessus. Ouais, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il faut savoir un truc, c'est que tant que tu tires et que ton laser fait l'animation de tir, tu peux toucher d'autres mines autour. Non, c'est vrai? Bah oui. Et tu vas arrêter de m'appeler con? Il y en a une dessus. Ah, j'en ai une là. Ou ça, autre? Je crois que c'est tout. Ouais, juste récupérer les... Ah, ouais, récupérer le bot. Récupérer les scraps. Voilà. Eh, le pilote, t'as fait R, alors que moi je suis arrivé sur Tatooine, j'ai appuyé sur R. Voilà. Dehors du Tekkar, hein, capitaine, hein. Ah, c'est parce que vous faites pas le genre de blague que vous êtes capitaine, en fait. t'as deux points de talent en plus, si jamais, aussi. Ah, on aime bien ça, capitaine. Non, j'ai zéro point de talent, vous m'avez menti, capitaine. Ah, ça, tu me dépensais déjà. Moi, ah ouais, moi, capitaine, je travaille, monsieur. Et je pense que très rapidement, je vais devoir mettre des points dans... dans la capacité d'utiliser la tourelle principale. Je sens qu'un jour, ça va servir. Non. Parce que le comment dire, le tireur sur la tourelle principale est beaucoup plus efficace que toi ou moi. Parce qu'en fait, il voit l'ennemi de manière du futur et peut viser peu importe l'angle. Même lorsque la tourelle te bloque, tu peux sauter, si tu veux. Et remet l'oxygène. Vous avez dit qu'il y avait un mec qui était plus efficace que moi, monsieur. Non, parce qu'en fait, si tu veux, la tourelle principale, quand tu la bouges d'une certaine direction, elle se bloque. Ouais. Et lui, il ignore ce blocage pour tirer. Oh, il triche. Ouais. Objectif coup, complet. Sur... On initiate le jump, capitaine. Ouais, là, on doit aller vendre des boîtes de biscuits à un mec, et surtout, on doit vider notre putain de stockage. Ouais, pas un objet volé aussi un jour à vendre? Faut pas dire ça. Bien joué. Ouais, on commence. Peut-être avoir des meilleurs laser tourettes aussi. Non, il nous faut un meilleur réacteur surtout. Oui. Pour pouvoir installer la seconde. Tellement. Là, dès qu'il tire avec son gros canon, c'est fini quoi. Je coupe l'oxygène en fait. Oh fuck! Y'a des méchants, capitaine! Ouais. Merci. Ok, faut qu'on suive les petits panneaux là. Les panneaux Mobelix. J'arrive. Oh, attends. Je m'écarte du chemin, bouge pas de là où t'es. Ouais, je bouge pas. Hein. C'est toi qui me suis? Non. T'as pas de preuve, capitaine. Si, j'ai un radar. Tu mens, capitaine. Moi, je suis statique. Pourquoi il meurt, pilote? Je m'en fous, c'est un pilote. Ça se remplace, monsieur. Il s'appelle Pibot. Et il sait même pas c'est combien Pi. Mais pourquoi il meurt? On s'en fout. Bon, vous trouvez votre merdier, capitaine? Sinon, moi, je me tire. Ouais, c'est bon, je l'ai. Bah, je vous attends, en fait, là. En fait, il y avait un cristal de recherche tout au fond, là-bas. Sauf que si jamais, toi, tu partais trop loin de la ligne de trucs, je ne pouvais pas la retrouver après. Alors, il y a une tornade sous notre nez, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dedans? Non, elle te met des dégâts. D'accord. Et elle te poursuit aussi. Ouais, elle est en train de me poursuivre, capitaine. Je suis passé, hein, moi, capitaine, personnellement. Débrouillez-vous. Il y a. Ah, mais il y a encore un autre siphon là. Oh là, mais il y a de l'araignée là. Ouais. En fait, elle était en train. Il y en a encore d'autres dedans. Dans le typhoon? Ouais, cours. Oh, en fait, il y a plein de tornades. Attention, pas gauche. Oh là. Ah, si on expliquait aux gens là qui se font arracher leur maison et qui meurent par dizaines de millions là dès qu'il y a un typhon là, leur disait regardez, il suffit de faire un droit de gauche, droit de gauche, ça serait très bien. Avery Elvort. Il a l'air d'être immunisé au typhon puisqu'il tourne le dos en mode OKLM. C'est tout à fait ça, en fait c'est lui qui voulait des biscuits. En même temps je comprends qu'il veuille des biscuits hein.
Mais c'est quoi ce truc? Bien. Bah là on peut retourner à la maison, là ça sert à rien en fait de rester ici. Mais y'a rien ici, c'est pas un bâtiment ça? Non non. Là, on dirait qu'on est sur une énorme mine, ouais on dirait vraiment une mine sous-marine. Absolument énorme. Bah c'est les mines de vaisseaux qui sont l'espace. Ah, c'est un peu gros hein. Bah oui, le but est de détruire un vaisseau. C'est difficile pourtant de passer à côté hein. C'est comme le Roland, donc un gros un des plus gros vaisseaux du jeu, bah le plus gros vaisseau du jeu, qui en fait fait la taille littéralement de 4 buildings, tu vois, de 20 étages. Je crois un truc comme ça. Est-ce qu'on a fait un peu de pognon avec ça, capitaine? C'est très important. Ouais. Ouais. Ah, du coup, est-ce que ça me laisse le temps de mettre une branlée au poker tricheur à mon capitaine? Parce que, donc, ce serait bien que vous trichez, capitaine. T'es rentré sur le vaisseau ou pas? Oui. Oui, capitaine. Je suis effectivement actuellement présent. Ah oui, c'est pour reloadager comme ça. Okay. Quoi? Ah, mais non, mais merde. Attends, un truc important aussi, c'est qu'il faut pas que tu utilises les munitions du vaisseau. N'utilise aucune munition du vaisseau. Ben, à part des amoclips, mais sinon là je te... Ouais, non, mais c'est ça en fait. Parce que c'est, les amoclips, on en trouve relativement souvent. Ouais. Et tu peux économiser ainsi tes merde, j'ai plus le nom. Les munitions du vaisseau qui sont payantes, elles. Ah, je savais même pas qu'il y en avait. Moi j'ai juste pris les amoclips qu'on a trouvés, je les ai foutus dans mon casier, puis là j'en ai repris un neuf sur moi, j'ai vidé le vieux. Enfin deux neufs, j'ai vidé un vieux. Voilà. Le biscuitier. Ouais. Attends, je vais faire de la science là, vite fait. Ouais, il faut attendre 3 minutes 40 beaucoup. Non, c'est juste que je suis parti faire de la science en fait. Ah bah vas-y, fais de la science, capitaine. Bah y'a rien à rechercher. Sérieux? Ouais. Et là, on est dans un super magasin de l'apocalypse. C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut vendre des choses illégales? Est-ce qu'on peut vendre des biscuits illégaux? Je sais pas si on peut vendre des trucs illégaux. Attends, je vais prendre le truc et je vais regarder. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Hein. Bah, d'ailleurs, faudra m'expliquer, capitaine, pourquoi un réacteur nucléaire militaire Klingon, c'est illégal? Alors qu'on a le droit de vendre nos biscuits qui, à mon avis, doivent tuer plus de monde que le réacteur. On peut être méchant, mais... On va nous expliquer, capitaine. Non, on peut pas lui vendre. Par contre, il vend... On se fait réparer, ouais, là, non? Ouais, il faudrait que tu ailles à l'arrière pour désactiver les boucliers. Mais, ouais, si, fais-le. Pourquoi tu veux que je lui désactive les boucliers, capitaine? Ah, pour réparer? Ouais, mais attends, j'ai surtout regardé si je change la coque, si ça nous répare pas. Bah, faut peut-être ouais, d'abord ça, ouais. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça la répare. Et du coup, on n'a rien besoin de bouger, là. Non, là, il n'y a rien besoin de faire. Là, on va ouvrir la communication avec le marchand. Vas-y, ouvre, capitaine. Impressionne-nous. Voilà. Buy or leave. Ah, il est sympa comme marchand. Achète ou dégage. Quoi? C'est ça. Intéressant. Alors, on va vendre du coup tout ce qui nous sert à rien. Et tout ce qui est illégal. Sauf, on peut pas. Est-ce que tu peux me dire notre système de saut, ce qu'il fait? Tu vois ça où? Ah, dans table? Ouais. Ship, c'est Trust, c'est ça que tu veux? Non, c'est le... Attends, je vais te dire le nom du truc. C'est le Warp Drive. Warp Drive. Long Range Jump Module Level 1. Donc il a deux charges, enfin charge rate 2. Okay. Portée 10. Charge par full, par de fuel. C'est 4. Il est level 1, power usage 4000 MW, il a une signature de 8.0.
Ok. Alors. Je sens que vous avez acheté quelque chose, Captain. J'ai rien acheté, j'ai vendu. Ah, on garde le même warp drive. Il faut savoir qu'on peut du coup aller chercher un réacteur à antimatière. Il faut aller le chercher, Capitaine. Je pense que c'est une priorité. Parce qu'on en avait déjà discuté, je crois, dans une autre partie. On avait déjà discuté, rappelle-toi, générateur. Et j'avais eu raison qu'un bon gros générateur salaire, ça avait toujours d'accord. Mais on gagnerait 13 000 d'énergie dessus. On gagnerait 2 secondes d'émergence et cooldown. Donc quand il se met en surchauffe et qu'il se bloque, ça durerait que 5 secondes au lieu de 8, de 7. Ouais, c'est beaucoup. Mais on perd 360 de température. Et on est plus visible. On est détectable plus facilement. Donc là, t'es en train de dire on a 210 sur 3000 et on perd 400 là-dessus. On perdrait 400 en température, mais on gagnerait 13 000 d'énergie. Pas forcément très intéressant en réalité. Mais après, il faut savoir qu'on peut aussi l'améliorer avec du scrap et augmenter sa température. Ça peut devenir intéressant. Il faut qu'on l'essaye, mais ça vaut le coup d'aller chercher dans tous les cas. Parce qu'au pire, il vaudra un billet. Il vaut 62 000 là. Si on l'achète, en fait, on gagne 13 000 d'énergie. Donc quoi qu'il arrive, on est quand même mieux. Bah ouais. Par contre, est-ce qu'on peut l'acheter? Parce qu'on est 456 000 d'après ce que je vois. On peut tricher. Ouais, tu vas vider mon compte en banque, c'est ça, je suis capitaine. Non. Il va vendre tout le vaisseau, le pilote avec. Si je me souviens bien de l'astuce, il me semble que je peux démonter le réacteur pour voir combien il vaut. Il vaut 2800. Manque d'études. Après moi j'ai 2000 crédits sur moi officiellement. Non, c'est les 2000 crédits que tu peux t'en servir. Oui mais tu peux les récupérer puisque c'est toi qui fais la distribution de pognon. Ah non, j'ai 2000 sur les 56 000, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, ça change rien. T'es sûr? Oui. Ouais, ça change rien, ouais. Et par contre, j'ai un solde de 1200 balles. Qu'est-ce que c'est? Moi non plus, je sais pas. Mais attends, du coup, j'ai remonté le réacteur déjà. On va commencer par faire ça. Et on reviendra le chercher plus tard. On sait qu'il y en a un ici, le meilleur. Ok. Pas leur montrer des trucs genre des ammo clips, des biscuits, des petits biscuits en réserve, des trucs comme ça là qu'on a dans un casier. On peut pas vendre de biscuits. Attends, je vais voir si on a des trucs qu'on peut vendre qui seraient inutiles. J'ai des trucs dans mon casier. Les frogènes biscuits, tout ça, ouais, mais c'est pour soigner. Je crois que si t'en manges, ça remet ta barre de vie correctement. Ouais, mais on s'en fout, prends chasseau, je suis full life. Non, je veux dire, ça remet ta capacité de PV au max. Mais sinon on peut regarder, attends. On peut essayer d'aller ou sinon au High Roller et faire la mission puisqu'on a 56 000 sinon. Vas-y hein. Ou attends, on va au Virus Shop, peut-être qu'ils ont un réacteur entre les deux aussi. Ça peut être faisable. Allez. On fait ça et après on remonte. On peut y aller. Déjà, on a une meilleure coque. Bon. On est passé de 1500 à 4000 PV. Ce qui fait toujours plaisir. Oh merde! Mais c'est pas un marchand ici? Ah non, ok, il y avait un saut entre temps. On peut les tuer. Faire de l'argent. On peut pas les tuer. Pourquoi on peut pas les tuer? Je sais pas, notre voile principal, elle est touchée ou pas? Hein? Je sais pas où. Voilà, on éteint. Et là, pendant 7 secondes, le vaisseau est éteint. C'est rien, 7 secondes. Qu'est-ce que c'est, 7 secondes dans une vie? Bon, le Science Lab, tu sers pas à grand-chose. Bah, c'est ce qui nous permet de détecter si on laisse une puissance minimum, quoi.
Je peux pas, ça arrête pas de tout faire sauter. Oui, mais une puissance minimum et entre une puissance minimum et à fond. Pas déconner quoi. Ok, on est en train d'exploser les capacités. C'est pas grave, on va dans un magasin juste après. Par contre, ils ont combien de PV? 2500 PV? Putain! Je vais regarder un truc. Ouais. Il est mort. Un qui est tombé, on n'a pas fait grand chose hein, ensuite. Hein. C'est normal, parce qu'en fait la thune on la tire plus des scraps que de lui en. On a détruit un autre? Ah ouais! Après tu limiteras la propulsion de l'autre connard et. Il est mort. Vas-y, ah bon limite la propulsion de l'autre connard et laisse les armes se recharger. Une fois qu'elles seront rechargées, ce sera bon, ça va redescendre. Les armes, pour l'instant, j'ai pas touché. J'ai touché au Science Lab et Engineering. Ah, tu peux redonner un peu d'Engineering et ce sera bon. Non, on va patienter un peu. Hein. À quoi qu'attends? J'ai oublié. J'ai oublié de faire ça. Voilà, je le remets. Parce que là, il va aller chercher tous les scraps en fait que nous, on ne voit pas d'habitude. Ok, ça marche. Je mets de la capacité, mais on refroidit quand même. Tu me dis quand l'oxygène c'est critique, hein. Ah, tu regardes, tu vois en haut à droite, en haut à gauche de ton écran, pardon. Non, la petite barre au-dessus. Je vois rien du tout, capitaine. Je vois pas de quoi vous parlez. Et il en reste encore normalement un petit peu. Putain, c'est ça qui est trop bien avec les bots en fait, c'est que eux ils voient des trucs que toi tu vois pas. On prend des thunes, hein, capitaine. Hein. Comment? On prend des thunes, capitaine, là. Ouais. Oh, on a trouvé une tourelle principale. Ça c'est du scrap. Hop, voilà, on a tout fait. Alors, la tourelle principale, qu'est-ce qu'elle fait? On a un shield booster. On a un manoeuvring thruster à une valeur de 10. Bon, c'est le même que nous. Consomme combien? 2000. Et lui, 2000, ok. Main turret, 350. 350, ok, c'est le même. Et bah, c'est bon à vendre ça. On est déjà à 58 000 boules, presque 59 000, capitaine. Ouais, mais après, avec tout ce qu'on va vendre, là. On a l'argent pour le fameux générateur. Virus shop. Si on lui vend des biscuits, capitaine. Je pense pas qu'on puisse. Je suis sûr que si, capitaine. Il doit bien avoir quelques chips crevettes à lui vendre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut acheter un. Merde, il est pas là. Ah, il en a pas. En fait, il y a un programme qui permet de couper les communications des gens. Mais il l'a pas, lui. Mais c'est pas grave. On va remonter, chercher le High Roller. Pour aller chercher la relique. Question, le... J'ai une compétence qui a un seul point qui s'appelle Item Upgrader Opérateur. Ça vaut le coup ou pas? Item Upgrader Opérateur. Alors, attends. Ouais. Non, ça sert à rien. Ok. Oh bah je vais continuer à augmenter mon armure. Si ouais on peut faire du. Répare Major System et Overtime Lottery Repair Module, c'est intéressant.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont sous répare, donc oui. Je comprends. Je fais des économies grâce à moi, capitaine. Bien joué. Alors, on peut acheter des choses ou on se casse? On peut se casser, on peut se casser. J'ai mis un cap, je crois. Ouais, ça. J'espère que c'était le bon, hein. Oh ouais. Et là, on tombe sur le boss final du jeu. Non. Il y a un vaisseau dans le coin, capitaine. Vous pouvez peut-être essayer de vendre des chips, là. Il veut pas acheter de biscuits? Non, non, faut qu'on se casse. Il veut attaquer, là? Ouais. Bah, tuons-le! Mais non! Si on lui tire dessus, je t'explique juste, on va perdre de la réputation et on paiera encore plus cher le réacteur. Ah! Peut-être se tirer de là. Donc, et capitaine, ça veut dire que nos biscuits sont illégaux s'il en veut pas et qu'il va nous faire le cul. Pourquoi tu m'as coupé la propulsion? J'ai rien coupé, capitaine. Ah bon, on s'est pris un stand duck. Rien coupé, capitaine. Align ship to target. Je peux jump. On jump, capitaine. Je sais pas où on est parti, mais on n'est pas parti au bon endroit. Ah, je sais pas, mais moi, tu m'as. J'ai une destination, j'ai sauté. Hein. Est-ce qu'on a perdu la réputation? Bah ouais, on a perdu la réputation. Putain, dis à la con! Putain, ça casse les couilles ça un peu. Bon vas-y, on tue celui-là. Oh, c'est quoi que ça nous tire dessus du rouge? Il appelle à l'aile l'autre vaisseau pour le détruire. Bien là. Un peu dans les cordes là. Comment? On est un peu dans les cordes. T'inquiète pas, ça. Sauf si l'IA décide de faire de la merde et de rater tous ses tirs. Mmh. Voilà, c'est bon. Désactive la shield pour l'instant. Parce qu'on peut pas la recharger, ça consomme pour rien. Refroidis doucement. Oh ouais. Pas arrêter de bouger l'autre connard pour qu'on puisse refroidir là. Ah non, il va chercher le scrap. Ouais. Okay. De toute façon, on surchauffe pas de ouf. On peut le laisser faire. Quoique. Attends, je vais couper le soin, je vais remettre ça et je vais couper l'oxygène filter. Voilà. Alors. Ouais, faut se méfier avec l'oxygène filter. Ça va bien se passer. Tu pourras remettre le. Alors, l'aim assist. J'enlève l'aim assist en attendant. Et le missile lock on, je l'enlève. Ça me refroidit. Et de toute façon, le missile lock, on doit l'enlever tout le temps, non? Ouais, retire-lui. On l'utilisera que contre des vrais trucs. On peut nous. C'est une vraie destination qu'on a là? Ouais, ouais. Ok. Non, par contre, la cyberdéfense, je vais la s'allumer. Hein. Non, faut couper là pour l'instant. Ah, non, non, non. Et là, je réallume tout. Que la lumière soit. Et la lumière fuit. Voilà. C'est juste histoire de tout bien refroidir ultra vite. Et on saute tranquillement, ça finira de refroidir. Pépère. Mais genre, pépère, hein. Ok, on est refroidi. Et donc là, les shields, ils rechargent plus, tu dis, non? Il y a un virus qui peut empêcher les... Mais on l'a encore, ce virus? Non. Ok, donc je peux le remettre.
Ah, on a déjà essayé de lui vendre des biscuits à celui-là, non? Non, c'est une station. Pour l'heure du mauvais shit, capitaine. Oh, je peux aller sur la station. Non, c'est celle d'où on vient, au début. Ouais, y'a des gens, ils me tirent dessus, dedans. Putain, tire leur pas dessus, rentre. Bah, trop tard. Non, tu vas faire augmenter le chaos. Ah bon? Oui. Bah, too late, je l'ai buté, capitaine. T'es allé où, sur la warp station? Tu touches à rien. Ouais, warp station, ouais. Tu touches à rien. Je sais rien, capitaine. Hein. Parce que plus le chaos augmente, plus les ennemis sont durs en fait. Donc plus ils donnent de pognon, capitaine. Non, moins t'en gagnes. Bon, tu plaisantes, capitaine. Parce c'est que de l'arnaque. Tu dis ça pour que j'arrête de tirer sur des gens, capitaine. Je reconnais ça. Non. Si, capitaine. Tu mens. Hein. Non. Par contre, en vrai, utiliser les portes sans payer en tuant le personnel qui est dedans. Utiliser les repair stations en tuant pareil les gens qui sont dedans. Fais augmenter le chaos. Tu gagnes 0.1 de chaos. Bah ouais, mais bon, si j'ai tué le mec, c'est parce qu'il était pas très courtois. Moi, je lui ai rien fait à la base. Hein. Et pourquoi en fait, c'est déjà la chaos, guerre ici, là Bah en fait, tu utilises encore les missiles, cet enculé. T'as désactivé le truc des missiles? Bah j'ai désactivé. Comment il fait? Ah, c'est désactivé, hein. Tu peux venir sur le panneau, c'est off, hein. Je sais pas, hein. Ils sont bien codés, ces IA, capitaine. Non, mais c'est pas... Là, ça vient même pas de moi, là. Ouais, c'est ça, capitaine. Hein. Bon, du temps, on n'a pas de matos, on n'a rien, et on est en train de se galérer avec des crétins. C'est trop bien, ça. Mais dans le jeu, avant, il y avait une méta qui était trop forte. C'était de trouver un Roland, de lui foncer dessus, de l'aborder, de tuer tout le monde et d'extraire son réacteur. Oui. Et... Oh mon dieu, comment c'était pété, je le faisais à chaque début de partie et tu commençais avec le meilleur réacteur du jeu possible sans payer. Ok, bon, on peut y aller. J'ai pas de cible. Ah si, j'ai une cible. Nous sautons. Chaos level has increased. Ça y est, les méchants, ils sont plus forts. Bah ouais. Et on n'a pas plus de biscuits, capitaine. C'est la merde. Je reconnais, c'est le lobby bio qui nous court après, capitaine. Attends, par contre, je vais mettre les boucliers en statique. Parce que là, on va se manger des mines. Ils veulent des DLC sur leurs biscuits, capitaine. C'est des fumiers. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ils veulent des biscuits bio. Putain, les fumiers! Ils veulent détruire notre puissance industrielle. Notre très bonne agroalimentaire. Que va devenir notre lobbying? En tout cas, ça se crappe, hein. Ouais, bah c'est le pilote qui est en train de tout récupérer. Oh, bah, j'ai tellement kiffé les pompiers, les alarmes, les flics, c'est trop bien. La forge quoi et tout. Chez moi là, non, on entend tout le bordel, les flics, tout ça. Non. Ah, il y a encore du loot par là. Pas. Ouais. Hein, capitaine, hein. Faut nous donner du pognon, capitaine. Plus de loot, capitaine. Il y a une alarme rouge, capitaine, hein. Ouais, c'est parce que j'ai tapé un mur. C'est pas bien, ça.
peux désactiver les armes, s'il te plaît? C'est possible, capitaine. Encore des choses à gratter, capitaine? Ouais, j'en vois encore moins 4. Ah, c'est beau ça. À gauche, la vie de teuf là. Oh, je scrap, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça scrap, capitaine, hein? Ah, oh, j'en vois encore là-bas. Moi, je vois pas le nombre de scraps qu'on a, mais à mon avis, on doit en avoir quelques-uns là. Tu peux aller à l'arrière, regarder dans la plateforme d'ingénierie. Quand tu rentres, c'est la porte de gauche. Du coup, à peu près en face. Reactor Engineering. 38 craps. Voilà. On est sur une bonne base. C'est ça. Et c'est plutôt pas mal quand tu sais que notre coque est déjà level 4 et qu'on en a économisé plus ou moins 12. D'accord. Et du coup, c'est bon, j'en vois plus, donc on peut sauter. On est à 43 scraps, capitaine. Ouais, on peut se voir. Il serait peut-être temps de changer de matos de merde ou d'améliorer le matos de merde, hein, capitaine. Hein. D'abord, là, on va chercher. Choses, hein. Là, on va au High Roller faire le casino. Bien sûr. Ah, il est temps que je prenne ma place dans le game. Capitaine, que fait la shield boosting? Je sais pas, mais il y a un bandit clunker là. Surtout, tu ne touches pas à aux armes, au cyber, à la cyberdéfense. Ok, c'est bon. Parce qu'il y a un virus qui désactive le bouclier, qui essaye d'entrer. Ok, ok. Il est en train de le pull bleu, le pull vert là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, mais ils sont peut-être temps de tirer sur le cyber vilain. Hein. Non, on n'attaque pas le cyber vilain, c'est New Age. Hein. Vas-y, je te donne un peu plus de pilotage, régale-toi. Ah, on a perdu les boucliers. Ça, secondes. C'est bien dommage, capitaine. Tu peux couper la recharge des boucliers pour 120 secondes. Ça fait plus de puissance de feu, c'est bien. Oh, on voit plus, t'as désactivé le ce qui nous permettait de voir. Allô? Oh putain. Ouais. J'ai failli cliquer à côté. Non, j'ai failli cliquer à côté d'un truc en fait. Ah. Ça fait être critique pendant 7 secondes. Encore un coup vite fait là, s'il vous plaît, avant qu'il y ait un vaisseau qui arrive l'aider. Ok, c'est bon. Tu peux tout mettre à zéro et laisser le vaisseau se déplacer. C'est pas grave. Non, c'est moi qui ai coupé les lumières. Ah ouais, je pensais que c'était le vaisseau qui s'était bien sécurisé. D'ailleurs, j'ai oublié, je coupe aussi l'atrium. Ouais, ouais. Mais j'ai une mauvaise gestion. Avant, tu vois, on était plus opti hein, sur la première game. Et pendant ce temps, du coup, je vais initier le jump. Oui, mais même sans, je te rappelle, j'avais l'habitude de couper des trucs. En gros, naviguer comme ça avec une économie de 2000 mégawatts. Ouais, mais tu avais les skills aussi qui augmentaient ça. Après, je les ai eu, ouais.
Mais déjà, je veux dire, au tout début, je pensais, de base, l'atrium était coupé tout le temps, et c'est vrai que je le coupe pas, là. Bon, là, on a de la lumière, on sait pas trop à quoi ça sert, la lumière, finalement. T'as 2 points de talent, si tu veux. Apparemment, on a récupéré tout le scrap, donc on peut aller scraper. Ah, c'est déjà fait. Ah, ouais, c'est fait, hein. Je suis en train de mettre mon point. C'est fait, capitaine. Et là, on arrive au roller. Ah là. Alors, par contre, on n'a pas tout à fait refroidi. J'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis sur place parce que... Non, il n'y a pas d'ennemis là-bas. Ça n'a pas trop refroidi. Alors, où est-il? Est-ce qu'on peut le voir de nos yeux? Je suis OTP. Moi, je suis là pour jouer au jeu de dés. Super. Mais vous allez nous faire perdre tout notre pognon, capitaine, vous êtes nul. Je vous rappelle que c'est parce que vous êtes nul que vous êtes devenu capitaine. Bon. Moi, je peux m'asseoir. Bonjour. Ouais, cool. Qu'est-ce qu'il fait, connard? Challenge what the not successful contest has earned a point. D'accord. Moi je déclare qu'il y a ...3-4. Je vous challenge. Do it, Fago. Alors 3-2. Was not successful against us earned a point. Ah oui, parce que c'est m'aider et les leurs, c'est vrai. J'ai oublié. Donc moi il me dit qu'il y a au moins 2-4, d'accord. Pourquoi il me dit qu'il y en a 3? Attends, je comprends pas tout. Attendez, vous allez me laisser jouer, bande d'enfoirés? Ah oui, mais il se do it fagot de bois. Putain, il joue tout seul, les mecs. Super. Moi, je pense qu'en tout et pour tout, il y a au moins 3-5, voilà. Je vous emmerde, en fait. Allez, je fais un bid. Là, tu vas me dire, c'est pas vrai, fagot de bois. Et putain, t'as de la chance, c'est vraiment pas vrai? J'ai pas de chance. Connard a eu le point. Super. La prochaine fois, je rentrerai dans une partie où ils ont pas déjà 2 points chacun, quoi. C'est ça, bah vas-y, on va sur celle-là, tant qu'à faire. Hein. Bah yes. Ouais, winner. Oui, on est d'accord. Winner, c'est... Connard est un winner. Super. Ok. Donc là, ça bide 2-5. Moi, je bide 2-6. Je challenge. Je te challenge et il me dit non, tu mens, il peut pas y avoir 2-6. 9-3. Bah voilà. Ok. Je comprends toujours pas comment ça marche, mais continue, ingénieur. Je vais t'expliquer. Là en gros, on lance tous 5 dés. Ok. Voilà, et là comme on le voit, tu vois, il révèle les dés. Et toi, tu fais un pari sur le nombre de dés qu'il y a. D'une certaine valeur, l'intérêt c'est d'avoir la plus forte somme jusqu'à qu'il y en a qui te disent bah c'est pas possible, tu mens quoi, ou qu'ils fassent un pari qui est un mensonge en fait. Genre littéralement là par exemple j'ai 2-3, j'ai 2-4 et j'ai un 6. Je pourrais jouer le risque, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je suis un connard, de dire il y a 3-4. Je mens peut-être parce que officiellement il y en a que 2 dans ma main, mais en fait je parie que sur la table sur nos 15 dés, il y a au moins 3-4. Ok. Voilà. Donc moi je dis, franchement, dans nos 15 dés, il y a 3-4. Ok. Et l'autre, il va me dire, bah je suis d'accord. Enfin, soit en fait, il met une somme plus élevée, il dit, il y a 3-5. Ah putain, il y avait que 2-4, il y avait que moi qui en avais. Bah tu vois, je me suis fait douille. Voilà. Donc soit il met une somme plus élevée, soit il me dit, tu mens. Et on vérifie tout de suite si j'ai raison ou pas. Bah ouais, on va partir par contre sur 2-6, hein. Ça je vous challenge, et de toute façon tu vas me dire automatiquement que je mens. Voilà. Ça, c'est... Dès que tu parles 2-6, les mecs ils voient flou, hein. Ils font c'est pas possible, tu mens. Il y avait 206 quoi. Oui, parce qu'en fait il arrête. Oh, j'ai une suite. Oh, j'ai une suite royale. Donc il y en a un qui dit qu'il y a 1-5, l'autre il dit qu'il y a 2-3. Moi je dis qu'il y en a 3. Je te challenge. Non, merde, je voulais te bide. Putain. Je lui ai donné le point. Donc là, tu vois, je lui ai dit que c'était un menteur. Et en fait,
Bah c'est Gunduster, bah, parce que je me suis planté dans la touche. Alors maintenant tu vas jouer avec un flingue sur la tempe, d'accord. Je suis derrière toi, j'ai un flingue. Ça marche, capitaine. Je suis très con et très centré. Je suis à fond. Que centré, mais... Alors là, ce point là, il est pour moi. Voilà, je te le dis, hein. Ouais. Bah, j'ai 2-6 en fait, donc je vais dire, ouais, non, moi je pense qu'il y a 2-6. Et alors tu vas faire quoi? Et là il va me dire, non, mais tu mens. Et donc je ne veux pas challenge, je veux bid. Si le jeu était en français, ça nous arrangerait un peu, quoi. Ah non, il dit qu'il y a 3-2. Ouais, mais j'ai la peine de faire la trad. 3-2, du coup là ça joue entre eux, il y a 4-2, il y en a un qui a pris un point. Voilà. Ok. Alors j'ai au moins 2-3. C'est à moi de miser. Moi je vais partir directement sur 3-3. Normalement il y a beaucoup de chances qu'il y en ait. Je bidoche. Qu'est-ce que tu dis? Il me croit pas. Enfin, il y a 3-3. Chet. Et ça fait un point pour le Knarfang, capitaine. J'aime bien la technique du pistolet. Plus loin de ma tête, capitaine, quand même. J'ai dit plus loin de ma tête, j'ai pas dit plus près. Donc moi je te dis, il y a 2-6. Ah il dit, il y a 3-3. Le truc c'est que... L'autre il va lui dire, tu mens. Et il se passe qu'il y a effectivement qu'un seul 3. Voilà. Et que donc, du coup, Gnoster prend un point... Enfin, Connard prend un point parce que Gnoster fait n'importe quoi. Alors là, théoriquement, je vais le mettre... Là, théoriquement, je prends le point tout de suite. C'est-à-dire que je leur dis, les mecs, il y a 3-4. On va me dire, c'est pas possible. Or, bah, j'en ai 3 sur moi, en fait. Voilà. Quoi? À 4-5? Non, mais Connard, il va être obligé de te dire, tu mytho. Ah bah, ok, bah, moi, je te dis, tu mytho. Hein. Moi, je te challenge. Vas-y, dis-moi, où est-ce qu'il y a 5-2? Vas-y. Tête de botte, ils auraient peut-être dû te faire une tête plus grosse que... Qu'un manche de pied de biche. Bah bref. Alors là, cette manche elle est pour moi. Alors s'il me laisse jouer, j'ai win. Non, le challenge pas avec. Vas-y, fais une offre. Mais non, putain, espèce d'enculé. J'avais 4-6, j'étais sûr de gagner. Et là, c'est ce qui est chiant, c'est qu'ils jouent entre eux. Vous savez, ils ne laissent même pas arriver jusqu'à moi, quoi. Moi, en fait, j'ai l'impression que, genre, ils sont impulsifs, les IA, mais genre pire que des vrais joueurs. Ah ouais, non, mais ils sont genre méga vénères. Alors moi, je vais te dire tout de suite, il y a 2-5. Je vais bidoche. Vas-y, je bidoche. Donc lui, il va dire il y a 3-2 ou 3-1, peu importe, tu vois, il va dire quelque chose. Ou alors, il va juste bugger. Non, il dit 3-5. Oh, non, mais l'autre, il va le bider direct. Et là, bah, du coup, c'est Gnoster qui reprend un point. Et là, et du coup, ils jouent entre eux, parce qu'ils font chier. Vous faites chier. Voilà. Donc là, moi, ouais, là, en fait, il faut que je prenne un risque si je veux gagner tout de suite. Vas-y. Si je veux gagner tout de suite, il faut que je mette une offre qui paraît assez grosse pour qu'on me challenge tout de suite. Et il faut que ce soit bon. Et je suis obligé de faire ça, parce que les deux IA, c'est des espèces de nazis. Ouais, c'est bon, il y avait au moins 3-2. Ouh, il y en a même une pelletée, va. Donc je win, capitaine. Ok, refais-en. Faut que tu gagnes 3 fois. Ok. Toujours avec ces connards? Tu peux changer de table si tu veux. Oh, on va rester avec ces connards. Au moins, on va pas arriver en cours de game. Alors... Mais après, t'auras accès du coup à la table centrale. Ouais, où il faut que tu gagnes. Je connais, hein. J'étais là, moi. Donc lui, il me dit, il y a 3-3. Il a été le premier à jouer. Bah moi, je dis qu'il y en a 4. Et je te bide. 5-4. Non mais là il va te chaser. Brutti. Enfin ceci t'étais pas loin, il y en avait quand même 4, hein. Mais bon à un moment donné, Jack t'es mignon mais faut pas déconner, quoi. Il y a 15-6. Ouais c'est ça. 15-6. Le gars il arrive, ok bah il y a 15-6 et bah moi je dis qu'il y en a 16. Alors putain, alors, si tu dis qu'il y en a 16, il y en a 18. Alors, les gars, il y a que 15 dés, à un moment donné, on va peut-être se calmer. Ok, des deux, moi je dis qu'il y en a 3, cassez-vous. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? À 4-1. Bah non, il a raison. Ah, il y en a que 3. Ah, t'as fait le show. Ah, il a fait le show. Mais là, tu vois, là, c'est logique. C'est logique parce que le mec, il s'est dit 4-1, en sachant que moi, dans mes 5 dés, j'en ai pas un seul. C'est quand même un peu gros. Va pour du 2, j'en ai 2.
Par contre, connard, il est en train de gagner parce qu'à chaque fois, il challenge l'autre connard. Et voilà, l'autre, il dit qu'il y a 81, il va encore lui dire, bah tu mens, et puis voilà, il a gagné. Parce que l'autre, il est en train de dire, il y a 12-6 ferme-la. Voilà. Et donc, il gagne juste sur, sur les paris de l'autre abruti. Voilà. C'est, tu vois, c'est, en soi, moi, j'ai pas perdu, c'est juste que l'autre, à chaque fois, il a gagné. Super. Et ouais. Ah, parce qu'il joue en mode génasie du feu. Bon. Bon, alors celle-là, elle est pour moi, les gars. Celle-là. Chiche kebab de faire mieux, les gars. Bonne journée. Attends, 3-5. Tu arrêtes de faire de la merde ou tu prends une balle dans la tête. Ouais, vise plutôt le robot, essaie de le déconnecter un peu. 4-4. Non, mais non, mais gros, là, tu m'empêches de jouer, là. T'es chiant. C'est de l'anti-jeu. Ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est... Ou alors faut que je fasse des... En fait, je vais essayer de faire venir le tour jusque moi. En fait, regarde, je vais jouer différemment. Je joue différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un pari direct ou juste annoncer ma couleur de dé, je vais faire le petit sexe ban, je vais dire il y a un 1. Voilà. Ça, l'autre, il prend le truc, il va juste annoncer un dé au-dessus. Ah non, mais 3-6 aussi, mais putain, arrêtez, bande de cons. 4-2. En sachant que j'en ai pas un seul. Montre-les-moi. Montre-les-moi. Ils sont où tes 4-2 là? Il y en a un. Il y en avait un. Le gars en avait un. Le gars en avait un. Voilà. J'ai pris un point, donc. Et donc là, tout l'intérêt, c'est de faire le petit sexe man à chaque fois, jusqu'à que ça revienne à moi. Donc là, si je comprends bien, Gunster, il a dit... Il y a deux... Ah non, mais j'ai même pas eu le temps de... Ok, on a... j'ai même pas eu le temps de voir la couleur de mes dés, le gars, il a déjà pris un point. Ok. Ok. C'est à moi de faire un deal, c'est ça? Donc moi, je fais un deal de petit sexe man encore. Hein. Il y a un, deux. Voilà. 3-1. T'y crois ou pas? Oh. Il a pile 3. Putain, les mecs, ils veulent pas que je joue. Hein. C'est vraiment... Ça fait même pas un tour de table entier, c'est déjà en train de se sauter à la gorge. Les mecs, en fait, c'est deux ennemis qui se haient et qui jouent par contre. Moi, je veux dire qu'il y a 2-6 tout de suite pour les faire chier. Puis voilà. Démerdez-vous. Baisez-vous. Ah, vous avez pas dès qu'on parle de 6, hein? Ah, ça vous perturbe, ça, sexuellement. Il y a trop de chiffres pour le code. Toi, en plus, t'as un robot, donc ça te dérange vraiment beaucoup, hein. Ah, lui, il voit tout en 1 et 0, quoi. Donc, lui, attends, il me dit qu'il y a 3-4. Moi, je veux bien croire que t'en es. Et j'en bite qu'il y en a 4. L'autre, il va passer en mode génasie. Enfin, oh, impossible! Bah, en fait, si. Il y en a 5, donc c'est win. Voilà, Captain. J'ai quand même l'impression que c'était vachement mieux passé la... l'autre fois. Hein. Ouais, parce que je t'ai mieux placé sur la table. Je crois. Là, tu joues au centre. Là, je suis au centre. Ok. Il va me dire qu'il y a un 4. Oui, non, mais... Oui, non, mais oui, à ce stade-là, c'est ok, mec. Moi, je te dis qu'il y a 4-1. Il y a 3-1. Voilà. 4-4. Non, mais ça passera jamais, mec. 5-1. Je te challenge. Ah, ils y sont. Il y en a 6. Il les a. Donc là, c'est avec Gnostar de parler. Il me dit qu'il y a 2-6. Moi, je lui dis qu'il y a 3-1. Moi, je dis qu'il y a 3-6. Allez, je bite 3-6. 4-1. Ils y sont, mec. Hein. C'est pas la game des 1. Ça fait un point pour Connor. Parier sur le 1, c'est le cheval gagnant. Ah, j'ai une belle série de 3, y'a moyen de jouer. Y'a moyen de jouer un truc. Moi, je te dis qu'il y a 4-3. 4-3, tu t'en dis quoi? Normal, j'en avais déjà 3.
5 points. Qu'est-ce que t'annonces? T'annonces 3-2. J'annonce 3-3. Hein? Mais je voulais putain, je voulais bide. Putain. Pourquoi il m'a pas proposé de bide? Oui, hein, ça c'est de ma faute, oui. Ça, on a compris. Heureusement qu'on fait pas une mission, chef. C'est avec les balles qui passent de chaque côté. Donc lui, il me dit qu'il y a 3-5. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et donc, si je passe en 6, là... Hein? Il veut plus que je modifie? Sur cette manche là. Bon attends, je vais aller m'en faire une sur une table vide là. Ouais, je dis qu'il y a 3-5. Ah mais je suis obligé de donner plus quoi. Attends, c'était quoi ces dés? C'était des combien là? Merde, je sais même plus. Je sais même plus c'était quoi ces dés, bah je suis obligé de challenge. Je sais même plus c'était quoi. Ouais, il y avait 3-3. Bon bah c'est perdu. J'espère qu'on perd un peu de pognon, capitaine. Non, on perd pas de pognon. Un peu triste. On dit qu'il y a 3-6, le challenge. Bon bah il y a 3-6. Bon bah fumier. Ah là, c'est le tryhard du poker là. Ah bah, le premier qui me dit que j'ai tort, je lui mets une balle. 4, 2, 5, 6. Je te challenge, il n'y a pas 5, 6 là. J'en ai pas un seul. Il voilà. Y a un mec qui a parié qu'il y avait 6, 5 alors qu'il n'en avait qu'un seul. J'en ai marre. T'en as déjà marre, tu viens de commencer, t'en as déjà ras le bol. J'ai fait une partie et le mec d'en face, à chaque fois que tu dis quoi que ce soit, 4-5, je challenge jusqu'à 4-5. Il y a 4-5. Il y en a même 5. Putain. Ah, ça fait chier. Bon, j'ai trop. J'ai parié qu'il y avait 3-1 alors que j'en avais que 2 dans mon inventaire. 3-3, il y croit pas, lui? Bah, oui, un peu, hein, quand même. Il y a 3-2. Quatre heures. Non mais il va te balancer. 5-6. Oui, de fagot contre moi. Je vois pas 5-6 là. Moi je parie qu'il y a 3-6 mec. Non mais là, le mec il fait exprès là, c'est chiant quand il faut exprès. Hein. Ouais, des fois t'as l'impression que les IA se challengent exprès pour t'empêcher de ouais, trouver c'est des ça, points. Hein. C'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Bon bah là moi je te dis tout de suite qu'il y a 4-1, normalement tu me challenges direct. Eh ouais, je les avais. Je l'ai fini sur une main forte. Bien joué. Allez, je mange un petit mec tranquille. Salut les bouseux. Vas-y, va à la table principale. Oh putain, c'est vrai que là par contre, le nombre de possibilités dans notre part. Ah si, ça y est, c'est bon. Ouais, dice rule. Ouais, on s'en fout. Ok, donc la partie a déjà commencé. Hein. Ouais, attends, je vais me mettre au-dessus de toi derrière. On est 5, il y a beaucoup de dés. Oh mais ça se challenge sur de la merde.
Oh mais mec, 4-2 ouais. Quoi, on est 5 à jouer, 4-2, c'est pas possible. On est 5 à jouer, potentiellement on peut tous en avoir un. Putain. Ah vous êtes des débilus hein. Allez, on va taper fort tout de suite dedans. Voilà, des 6 là, voilà, moi je dis qu'il y en a 3, tu vas faire quoi? Baisse les yeux. En fait, juste baisse les yeux. Juste tu baisses les yeux en fait. Si vous jouez comme ça... Bien joué. Dès que ça va être à moi, je vais vous enculer hein. Non, le truc en fait, c'est que dès que c'est ton tour, faut que tu fasses un pari à la con, quoi. Pas forcément, faut réfléchir. Il y a 6-2, c'est complètement possible. Ça va être difficile de monter au-dessus. On est quand même 5, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a quoi, il y a 20% de chance que ça arrive? Je tiens 7-2. Sachant que j'en ai pas un seul. Hein. Ouais. Y avait pas. C'était full de l'arnaque. Tout le monde full bluffé. Y en avait pas un qui avait un 2, quoi. C'est le seul qui avait un 2, il a dit non, mais tout le monde mitonne en fait. Tu me dis si jamais ça te fait chier que je joue au milieu de la table, hein? Non, non, ça gêne pas du tout. Il y a 7-1. Je te challenge, je vais montrer 7-1. Oh putain, le con. Y'a po, monsieur. Y'a 4-1. Oh là, ça mise, hein. Ça mise un peu trop, les mecs, hein. Il y a 5-6. Je te challenge. Tu bluffes, Martoni. 1, 2, 3, 4. Ils y sont, putain, il y en a 6. Oh le con. Bien vu, Jack. T'as pas menti, Jack. Pourtant, je suis à un truc d'avoir la victoire là. Est-ce que je t'ai dit que si tu repères d'œuf, faut que tu refasses les 3 points? Qu'est-ce 8-2. Pardon, 8-2, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pile! Il y en a pile 8! Winner, Scott. Scott a gagné. C'était beau ou pas? Ah, t'as changé de place. Pas beau. Ah oui. Ouais, tu joues en second. C'est à moi de causer? Allez. Moi, je suis chaud. J'ai pas de temps à perdre. Je dis que des 5, il y en a 4. Et hop, casse-toi. 7-6. Bah oui, personne n'y croit, mec. 7-6. Après, comme toujours, hein, c'est possible, hein, mais. Peut-être pas trop déconner non plus. 2-6. Hein. 3-6. Moi, je balance un 4-6. Oh, tu bluffes! Oh, 5-5. D'accord, 5, ça n'a aucun rapport. 6-1! Waouh! Non, mais là, au bout d'un moment, voilà, c'est ça. Il va falloir dire la vérité, les gars, aujourd'hui. Ils y sont. Par contre, il n'y avait pas un seul 5. Hein. Le mec, il a lancé les 5 comme ça. Il a fait bon, j'ai pas de 5, je m'en bats les couilles, je propose du 5. Là, j'aime bien, c'est mon chiffre porte-bonheur en fait. 4-5. Vas-y, je pense qu'il y en a 5. Alors, il va faire quoi? Bah, il y en a au moins 5, non? 1, 2, 3, 4, ouais, large. Chez. Direct. J'ai joué une fois. Hein. Pose un mur à gagner.
J'ai joué une fois, mec. J'ai pas le droit de parler plus, en fait. Ferme ta gueule. 5-3. Pff, mec. Mais t'as l'autre 5-3, il y croit. C'est... Il refuse d'y croire, quoi. C'est faux, tu mens. C'est là que des fois j'ai l'impression que l'IA voit à travers les dés des autres, tu vois. Ah, c'est un peu délirant. Ouais. À moi de faire un call. Il y a genre, il y a des 6. Moi, je veux que j'ai 5-2. Tu vas faire quoi? Je veux qu'il y en ait 5. Il y en aura 5, c'est tout. 6-6. Ah, le mec, il a refusé d'y croire. Et ils y sont pas. Dommage. Oh, c'est refusé, hein. Le mec, il a dit non. Par contre, si les mecs voulaient pas que je joue, faut lire, hein. Je me casse de table. Je vais me faire un tarot solitaire, t'as vu? Tu connais pas le tarot solitaire? C'est quand t'as vraiment plus d'amis, t'as même plus de règles. Je vais faire un truc bidon. Ouais, vas-y, je vais dire qu'il y a 4-5. Démerdez-vous avec ça, cassez-vous. 7-2. Ouais, mais c'est refusé tout de suite, ça. 8-1. Non, mais les gars, faut vous mettre d'accord. Il n'y a plus assez de dés, quoi. Et le pire, c'est que mon bluff des 4-5, il y était. Hein. Contexte-le. Il n'y a pas de 6. C'est pas possible. C'est un menteur. Ouais, moi, je vais dire qu'il y a 5-5. Bon, de toute façon, ils ont décidé de jouer entre eux, donc ils vont me dire non, non, et regarde, il y a 7-4. Là, ça va à Lindalvar, il va dire non, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Voilà, il y en a 2, cassez-vous. Non, mais l'IA, c'est le cancer. Deux 6, c'est challenge? Sérieux, là? Ah, mais les mecs, vous voulez pas jouer, en fait. C'est compliqué là. Laissez-moi jouer, je veux exister. C'est ça en fait. T'as l'impression que vraiment l'IA est faite pour t'ignorer. Tu ne gagneras pas ce tournoi. Il y en a 7, tu vas faire quoi? Mais étudiant! Putain. Mais il y avait les. Mais putain. Il y avait les 7-1, il y en avait 8 même. Mais putain. On vous dérange peut-être, hein. Désolé, hein. On va peut-être s'en aller, visiblement, on vous casse les couilles. Hein. Ah, on ressort pas d'ici tant que t'as pas gagné, mec. Hein. Ouais, non, mais pas de soucis, on arrête pas la vidéo tant que j'ai pas gagné. Alors, j'ai beaucoup de 4. Non. J'ai beaucoup de 4. Moi, je reviens pas pour repayer 10 000 balles. Hein. Ouais. Ok. J'ai beaucoup de 4. Franchement, je peux bien. Ouais, mais le problème, c'est que si j'en mets 5, il va me dire non, bah vas-y, c'est well, vas-y, c'est well, valide, on passe à autre chose. Ah, ok, d'accord, il m'a challenge. Bon, bah, c'est win. Merci, les cons. En fait, je crois qu'il y a un JDR là. Je reçois des coups de fil et des messages. Je crois qu'il y a un JDR et que je suis pas là en fait. Ah ouais? JDR. Ouais, je crois qu'il y a embrouille. Ce qui fait qu'il va falloir mettre fin à cette vidéo. Ouais, mais tu sors pas de là tant que t'as pas gagné. Ah, c'est chiant. Ah, ça laisse des messages et tout. Au secours, le scandale. Tu peux rejoindre ton JDR, faire ton JDR et finir à gagner ici. Non, mais vas-y, je suis challenge C2 là. Allez, montre-moi tes deux là. Il y en a 3 mecs en tout pour tout sur la table, quoi. Voilà, donc je prends un point. Okay. Allez, encore un point à la con. Encore un point et je suis libre. C'est le moment où ils vont décider de jouer en mode Genasi du feu entre eux, quoi. Voilà, 3-3, le gars fait non, ça existe pas, c'est pas possible. Mais mec, on est 5 à jouer, arrête de casser les couilles. C'est là, chier, quoi. C'est là que ce serait plus intéressant de faire une partie de ce jeu-là, mais à 5 joueurs. Oui.
3-2. Mais l'autre 3-2, il refuse d'y croire. Mais si, il y a 3-2 là. Qu'est-ce qu'il est cool, connard. Ça y est, tiens, ils veulent pas jouer là. Là, ils veulent juste prendre tous un point. Là, c'est. Regarde, je te donne un point. T'sais, ils sont juste en train de faire gagner Landeval là. Faut que je fasse un pari. Vas-y, moi je suis sûr qu'il y a un 1 quelque part. Je sais. Ouais, débrouille-toi. Mais l'autre, juste pour dire, ouais, 2-4. Il va être 6-2. Voilà, comme ça, Landeval il va dire, bah non, c'est pas possible en fait. 7-1. Bon, bah là, Scott, à un moment donné, il va griller le truc. Mais t'as vu comment ça monte tout de suite? Genre, normalement, la Landeval il disait, bah non, en fait, il y en a pas. Et en fait, il gagnait son troisième point. Juste là, les IA, ils ont décidé de jouer entre eux, quoi. C'est un peu chiant. Ah, puis j'ai pas de main forte, quoi. C'est emmerdant. Et c'est à moi de faire le call, mais vous m'emmerdez. Vas-y, bluff, Martoni, bluff. Bah, tu veux que je bluffe, mais bon, ça changera rien. Après, le mec a pas de points, je crois, après moi. Si, ouais, il a un point. Il a un point. Ouais, vas-y, je vais dire. Dire qu'il y a 4-6. Vas-y, je bidoche 4-6. Mais il s'en fout, il va dire, ouais, mais il y a 16-15. Il y en a combien là? Ah, bah, j'ai gagné. Eh bah voilà. Et bah 6. C'est win. Voilà, data fragment collected. Yeah. Et on a le high roller fragment. Yes. On se casse. Fait. Ah attends, bon, il faut que je dise au revoir YouTube. Hein. Ah oui, on se casse dans le vaisseau. YouTube. Moi je retarde, je vais juste sur le vaisseau pour se regarder dessus et c'est bon. Vas-y, c'est bon, y est. À des bisous.